première fois aujourd'hui. C'est quoi? Vous avez tiré cette chaleur, quoi? C'est quoi ton problème? Non! Il y a pourquoi tu vas devenir sale subitement? Je me suis lavé. Attends d'abord, tu t'habilles, tu pars. Je suis en train de sortir, ça ne se voit pas que je sors. Non. Quand, dans la vie, c'est quand tu as des principes, il faut respecter ce qu'on appelle les principes de vie. Tu peux faire que tu as un programme, après tu commences comme ça à sauter ton programme. Ça veut dire que tu ne connais plus ce que tu veux dans la vie. Respecte les programmes. Là, tu seras une femme intègre de ce pays. Eric, je suis en train de sortir. Le bandage que tu sors là, viens chercher quoi là maintenant? Je suis en train de sortir. Moi, je ne te connais pas comme ça. Juste là, tu t'habilles. Tu t'habilles sans te laver. C'est quoi? Je me suis dit à laver. J'ai vu qu'avec l'appel de Jimmy là, tu risques de me créer une embuscade. Je savais que tu es en train de me chercher de créer un moyen pour récupérer ton Jimmy. Donc maintenant, je me lave tôt. Tôt le matin. Je peux partir? Tu pars où? Je sors. Oh non. Mon mari doit arriver aujourd'hui. Ton mari? Donc, il faut que je me coiffe. Il faut que je fasse à manger. Il faut que j'arrange et je réaménage la maison. Attends. Ton mari doit revenir comment? Il est parti pour ne pas revenir. Tu m'as dit que ton mari est forestier. Quand on dit que quelqu'un est forestier, c'est qu'il vient en brousse. Donc, tu m'as dit qu'il a pas les arbres. Et puis, c'est bien un animal. S'il vient en brousse, ça veut dire qu'il s'est transformé en quoi? Il est bien fait quoi alors que tu as les dettes? Je suis sa femme. Même si j'ai les dettes, ses dettes, ce sont ses dettes. Non. Tu vas la boucher. Tu veux la boucher la dette comment? Tu me dois l'argent. On a encore déjà. Je te dois l'argent. Oui. Je te dois combien? Sois honnête. Je te dois combien? Tu me dois au moins deux coups. Je vois que toi, là, le soleil là ne te fatigue pas. Hein. Non, ce n'est pas bien. Normalement, les nouvelles qu'on doit attendre de ton mari, c'est le genre que tu me dis par exemple que ton mari a eu un accident en brousse, peut-être que l'arbre est tombé sur lui. Hey. Tu ne peux pas me dire que ton mari revient. Ton mari revient faire quoi? Maintenant, on va faire comment? Non. Là, comment tu jettes la chair de brousse sur moi? Regarde les pieds de quelqu'un. Non, ce n'est pas que je te dis. Hein? Rembourse-toi alors, pour qu'on pense positivement. Moi, je savais quelqu'un que, au moins, si ton mari est malade, je vais venir. Et quand elle veut venir, c'est qu'elle veut venir pour t'assister normalement. Mm-hmm. Hein? Selon moi, elle travaille là-haut beaucoup, je vais faire les travaux, je vais même. Assister, tu ne vas pas donner l'argent. Je veux que tu viennes faire les travaux, qu'on manque les gens qui peuvent balayer ou laver ou préparer. Oh. Donc, c'est toute ta vie comme ça. Tu vois, là, seulement que s'il faut faire carrière, tu vas faire carrière en tant que quoi? Majordome? Non, parce que je vais te dire une chose, tu es venu payer. Le courant là-bas en serré. Depuis le jour où tu es venu payer le courant en serré. Maintenant, moi je dors au salon, madame dort dans la chambre. Ce n'est pas bon. Donne-moi. Je ne veux pas avoir des problèmes, toi tu es bien. Mon mari doit rentrer ce soir. Et le temps m'est compté. Tu vois, c'est déjà l'après-midi. Le temps de préparer, de me coiffer, faire le ménage, réaménager la maison. Parce qu'il faut les couleurs. Il faut que quand il arrive, il comprenne que. Il y a de quoi regarder. Donc, tu dis, on va trouver une solution. Comme tu dis qu'il y a beaucoup à faire là, moi, elle peut me t'aider à faire les tâches ménagères là. Histoire pour que quand ton mari arrive, tout soit déjà fait. Mais il faut aussi que tu me donnes vite. Je te dis, tu dois rester là-bas un bon travailleur. Je peux nettoyer partout ici. Je peux nettoyer le sol. Je peux laver les assiettes. Même préparer moi, aussi je un cordon violet. Oh. Si tu peux quand même tout faire, c'est une bonne idée. Mais te confier ma maison et. Que je vais faire quoi? Il va voler tes cuillères. Oh, toi aussi. On ne fait pas bon, ce que tu fais là. De toute façon, tu as une bonne idée. C'est vraiment une très bonne idée. Quoi? Laver, essuyer, oui. Préparer, c'est une très bonne idée. Mais maintenant, il fallait parler comme ça depuis. Mais j'ai fini de faire tes travaux, il n'y a pas de problème. Avant que ton mari ne vienne, tu me donnes. Pardon. Ça veut dire que je te donne les clés de la maison. Yeah, bon, allons, on fait d'abord. Maintenant, je reste faire les travaux. Non, on fait d'abord comment? Reste faire le ménage. Autant que je ne peux pas me graisser. Tu vois qu'il faut que je me graisse et il faut que je fasse le marché. Ouais, ça cache quoi? Ça cache encore quoi? Pourquoi tu veux faire ça? Ouais, je te dis que le temps nous est compté. Oh. Tu vois donc le temps que tu vas nettoyer, essuyer, le temps là, moi, je fais j'achète. Je fais à manger, non. J'achète les compléments pour faire la sauce et tout, non. Et maintenant, je me coiffe. Là, ça fait que tu m'aides. Fais pitié. Tu peux faire ça. Bon, pardon. J'ai fait tout. Chez moi, juste à te confier. Non, j'aime quand tu me touches. Au moins, tu sais, te confie la clé. Non, ça, là. Tu es un enfant. Moi, je savais pas que tu pouvais que pour ça. Tu es. Non, moi, ça, je fais tout le ménage. Il n'y a pas de problème. Je vais même balayer tous les escaliers. D'accord, non, je te fais comprendre. Là, quand tu reviens, tu veux que j'aille tout faire. Je te libère. Tu me libères. Alors, t'as là que ton mari. Je te libère en gros. Ok, moi, je commence même à maintenant. Il n'y a pas de problème. Attends, je ne vais pas l'eau. Moi, j'avais besoin de servir.
que je prends le balai et tout. C'est un détail. Je ne sais pas si c'est un petit problème. Ah. Moi, j'ai fini depuis. Tu as fini? Oui. Tu as essuyé? Oui, oui. Tu as puisé de l'eau? Tout est propre. Mmh. La maison, tout. Il n'y a plus de problème. Voilà, là, ça fait. Merci. Tout est, c'est bon, non? Alors, là, tu peux me donner quand même. Parce que là, j'ai du travail. Il y a un problème. Non, tu peux pas faire ça. Ne commence pas. Attends, je t'explique. Non, n'explique pas. Va me donner. Je ne vais pas faire, mais je ne suis pas coiffée. Non. Je n'ai pas eu le temps de me coiffer. Depuis là. À peine je fais le petit marché. Oui. Je me rends vers le salon de coiffure. Ah. Puis, mon mari m'appelle que non, il sera là dans 15 minutes. Comment? Donc, le temps de quitter le salon ici. J'ai appris 10 minutes. Non, ça c'est le modèle. Comment ouais, tu obliges ton mari? Il dit qu'il vient en 15 minutes. Comment? Tu veux te faire le modèle sur quoi? Tu vois, que j'ai travaillé. J'ai lavé les assiettes, j'ai puisé l'eau, j'ai nettoyé le sol, j'ai tout fait. Je te remercie pour ta gentillesse, je te remercie. Tu es un homme noble. Non, aucune noblesse n'est permise. Pardon, va, allons. Ouais, je ne peux pas. En combien de minutes? En 3 minutes? Je ne suis pas venu chez toi. Même, allons même sur l'escalier là, tu vois. Moi, je ne suis pas même compliqué. Je suis à quoi, la chèvre? Okay. Je t'ai dit que mon mari arrive, apprends aussi à comprendre les gens. Non. Ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai fini de parler, je t'appelle. Non. Tu viens, tu manges avec lui. Comment tu manges avec lui comment? Tu m'as aidé, non? C'est aussi ça ma gratitude envers toi. Non. Tu ne vois pas le porc et le poisson et le porc. Tu vois que tu vas manger. Et pourquoi tu es comme ça? Non, tu vas me laisser. Tu m'as donné. Tu me demandes comment? Je suis en train de t'expliquer. La vie, c'est le dialogue. Quel dialogue? Quel dialogue? La vie n'est pas le dialogue. La vie, c'est la compréhension et l'entente de la décision principale. Non. On a eu une entente au départ. Il était question que je fais le ménage chez toi. Tu me libères. Allons, je mets cette. Viens ici. Lui-même, c'est mal à la tête. Je peux venir sous l'escalier comment? Vas-y à la maison. Si mon mari est trop. Je dis que l'homme est d'abord baraqué. Pas les affaires que l'on dit là que tu fais les armes à sous. Je vais voir ton mari. C'est lui qui me doit l'argent. Voilà, tu me dois les diabos. Arrête un peu ça. Je te dois combien? C'est pas pour les miens que, là, que tu vas me manquer de respect comme ça. Je te dis que mon mari arrive. Sois aussi compréhensible. Le voilà même. Gros bête, Toto ne comprend jamais rien. Chaque jour, on te prend sur le même. Tu es là, tu insistes, tu persistes, tu résistes, yeah. Merci pour le ménage. Merci, Eric. Merci, oh, merci. Ah, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu es toujours en train de serrer, je ne sais quoi. Ouais. Il ne regarde même pas la voix qu'il y a même la moto ou la voiture qui commence à courir.